Bonjour à toutes et à tous, c'est iDevice The Jailbreak et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger de la musique depuis son appareil sans jailbreak. Donc pour faire ça, il faut se rendre dans l'App Store. Donc une fois dans l'App Store, on va taper MusicDL et on va trouver l'application. Donc on marque MusicDL comme ceci, puis on recherche. Donc on va attendre le petit temps de chargement. Donc là vous avez une version gratuite si vous voulez l'essayer et une version payante. Donc moi je possède la version payante. Donc, comment se servir de cette application? Pour se servir de cette application, il suffit tout simplement d'aller sur un site internet, de télécharger une musique. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais ce site-là, MP3 Skulls. Donc, sur ce site, vous allez trouver des musiques de bonne qualité. Donc, des fois, il pourrait y avoir des pubs, c'est normal. Hein. Moi aussi, ça me le fait. En fait, là, MP3 Skulls, c'est le site que Music utilise. Je ne sais pas si vous connaissez. Comme par exemple, on va essayer, tiens, Tubidi, je connais pas, on va essayer de la mettre pour voir. Donc là, par exemple, sur ce site, vous avez Download, Play, Embed, Sound Rington, non. Nous, on va faire Download ou Télécharger. Donc là, pour télécharger, vous aurez ça, un aperçu. Donc vous aurez Télécharger, Aperçu, Ouvrir ou Copier le lien. Nous, on met Télécharger si on veut télécharger la musique. Donc là, on peut pas changer de nom, on fait Enregistrer. Et puis là, on va dans Téléchargement. Et donc là, la musique elle est rapide à télécharger. Donc là, on met OK. Et ensuite, dans Fichier, il y a toutes nos musiques. Donc nous, c'est celle-là. Donc, on va... Donc c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'effet cover flow, c'est un peu embêtant. Donc Il n'y a pas d'effet cover flow, c'est un peu embêtant quand même. Mais sinon, c'est une bonne application. Pour supprimer la musique, on fait comme ça. Et elle est supprimée. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la liste de lecture là, pour faire des playlists ou les 25 meilleurs lus. Hein. Et ensuite, autre. Ça, en fait, c'est comme l'application musique. Si on compare, c'est un peu pareil. Donc, voilà. Donc, à savoir, la musique, vous pouvez la lire, par exemple, depuis le multitâche. Comme ceci, tant que l'application est ouverte, on peut la lire. Donc vous voyez, là le lecteur c'est celui-là. Donc là vous entendez la musique, je pense. Et aussi depuis le lock screen, on peut. Donc on va essayer. Donc vous voyez, c'est la même musique. Et si on vérifie dans l'application, vous allez voir que c'est cette musique ici. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais la version payante de cette application, elle coûte 89 centimes, donc c'est pas vraiment cher. Vous pouvez vous l'acheter. Donc, moi, je vous conseille de l'acheter au lieu de prendre la version gratuite, parce que là, vous pouvez faire moins de choses. Mais donc, voilà. Donc, sur ce, c'était iDevice de Jailbreak. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.